Très bien, commençons par les guitares. Je vais utiliser Ableton Live 9. Alors, il se peut que dans, et c'est même certain, dans d'autres tutos, d'autres styles musicaux, j'utiliserai d'autres séquenceurs. Mais tout ça pour vous dire que peu importe le séquenceur, cela va fonctionner, on va dire, dans tous les séquenceurs, ce que je vais vous expliquer. Pour les guitares funk, nous avons deux catégories. Soit on est guitariste, et on va voir qu'on a plusieurs solutions offertes. Soit on n'est pas guitariste, et là aussi, d'autres solutions vont être proposées. Avant toute chose, quand même, je tiens à le souligner, rien ne remplace un vrai guitariste au niveau des relations humaines, mais aussi de son jeu, de son groove, de son talent, etc. Donc, si vous voulez, la meilleure solution, entre guillemets, c'est soit on est guitariste et on va pouvoir utiliser certaines méthodes, soit on n'est pas guitariste, alors peut-être cela vaut le coup d'essayer de rencontrer des gens qui sont guitaristes et de leur proposer de venir enregistrer chez vous. Dans la première possibilité d'être guitariste ou d'avoir un ami guitariste, là, nous avons deux possibilités différentes. Soit on va utiliser son propre ampli, ses propres pédales d'effet en matériel, et enregistrer ceci dans l'ordinateur grâce à des micros qui captent les amplis, les effets, etc. Donc ça, je dirais, c'est une méthode courante dans les studios professionnels. La deuxième possibilité, et qui est majoritairement utilisée dans les home studios, ce qui est mon cas, c'est d'utiliser des simulateurs ou émulateurs d'ampli, de pédales d'effet, de cabinets, de micros, et logiciels que j'aime énormément, qui est Bias de Positive Grid. Alors, c'est un logiciel récent, donc qui utilise des technologies, si vous voulez, récentes, et du coup, la qualité du son est vraiment top. L'inconvénient de ce logiciel, c'est qu'il émule, toute la chaîne de préampli et d'amplification, avec les possibilités de jouer sur les lampes, etc., les cabinets, les équalisations, Lamp Match, qui est une trouvaille énormissime. Mais par contre, ici, on n'a pas, si vous voulez, d'émulation des pédales d'effet guitariste. Donc, il faudra, joindre en plus du logiciel un autre logiciel qui va nous permettre d'utiliser, des délais, des reverbs, des échos, des phasers, etc. Mais par contre, la qualité intrinsèque de la simulation est super, vraiment top. Je vous invite à voir mon tutoriel, c'est excellent. Et notamment avec Lamp Match qui nous permet d'avoir accès à des amplis, à des simulations d'amplis dont on n'aurait pas accès, qui sont émulés vraiment de façon très fidèle, faites par des utilisateurs qui possèdent les matériels réels, donc les Fender Deville, etc. C'est vraiment topissime comme système. Je vous invite là à regarder mon tutoriel sans faute sur ce logiciel. Enfin, pour finir, un logiciel que j'utilise pas énormément, mais qui est assez sympa, c'est le Studio Deville. Donc Lamp Modeler Pro. Alors là, l'interface, j'aime pas du tout. C'est un logiciel qui date là aussi un petit peu, mais par contre, au niveau de la qualité sonore, on a de bons résultats. Voici, donc j'ai fait le tour des principaux logiciels. Alors, il y en a plein d'autres, il y en a même des gratuits qui sont très bien. À vous de faire votre choix ou vos choix. L'intérêt d'avoir plusieurs logiciels, c'est quand même qu'on va pouvoir comparer déjà et puis utiliser le meilleur de chacun de ces logiciels. Parlons maintenant du son typé funk, funky. Juste avant, deux choses essentielles et primordiales, mais vraiment ça doit devenir un automatisme.
La première chose, c'est d'accorder votre guitare. S'il vous plaît, prenez 5-10 minutes. Dans chaque logiciel, on a un accordeur, donc on va pouvoir, comme ceci, s'accorder précisément. Deuxième chose, ça va être le niveau d'entrée réglable sur votre carte son matérielle, pas sur votre séquenceur. Donc là, vous voyez, sur mon séquenceur, j'ai ma tranche audio avec mon entrée de guitare et le logiciel, et je vais jouer le plus fort possible. Alors vous avez vu qu'à certains moments, ça va dans le rouge. Donc là, on ne va pas descendre le volume de notre tranche sur le logiciel, on va descendre l'input gain de notre carte son. J'ai descendu mon niveau. Et là, je ne suis plus dans le rouge, c'est parfait, ma guitare est accordé. Alors, au niveau du son en lui-même, je dirais il n'y a pas un son funk, il y a plein de sons, il y a presque autant de sons qu'il existe. Au niveau de la tonalité, là aussi, on peut choisir la tonalité que l'on souhaite. Je vais prendre une tonalité de La. Donc, petit rappel, en La blues, sur 12 mesures, on va avoir 3 accords. Le premier qui est un La 7. Le deuxième qui est un Ré 7. Et le troisième, Mi 7. Donc ça, c'est, ma grille, mon harmonie que je détermine. Après, il faut savoir que dans un morceau funk, on ne va pas souvent utiliser les accords pleins. C'est-à-dire qu'on ne va pas jouer toutes les cordes de notre accord de La 7 ou de Ré 7 ou de Mi 7. On va plutôt avoir une vision sous forme de riff, donc riff utilisé dans plein d'autres styles, mais sous forme vraiment de riff, et en guitare rythmique aussi, ce qu'on appelle les cocottes, on va en reparler, et donc tous les accords en triade, c'est-à-dire les accords à 3 sons, donc uniquement sur 3 cordes. Voici la direction que je veux donner. Alors après, au niveau du nombre de guitares que je souhaite avoir, là aussi, ça peut être une, ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être dix. Dix, ça risque de poser un problème. Mais pour mon exemple, je vais partir sur deux guitares. Donc là, après, il n'y a pas de recette miracle pour créer un riff. Comme je vous disais, je vais partir sur une harmonie blues en La. Alors, je vais vous donner 2-3 pistes qui peuvent être intéressantes à explorer. Plutôt que d'avoir le La plein, comme je vous le disais, on va déjà supprimer la quinte, c'est-à-dire cette note. Donc ça se fait très couramment en jazz, par exemple, mais aussi en blues. Ce qui nous donne l'accord suivant. Ce que je vais faire, je ne vais pas prendre ce La ici, je vais prendre le La à vide. Donc là, il me reste déjà plus que 4 cordes. Et je vais supprimer même le Mi ici aigu, qui est la quinte également. Donc là, je me retrouve plus qu'avec ça. Et je vais mettre plutôt ces 2 doigts. Donc là, j'ai une idée de départ. Après, ce qu'on peut faire, c'est un petit chromatisme, c'est-à-dire prendre l'accord La bémol 7 et arriver jusqu'au La. Écoutez, c'est pas mal, j'ai eu l'idée, j'ai recherché un petit peu des accords riff, j'ai trouvé un rythme. Maintenant, je vais passer au stade de l'enregistrement.
Pour le stade de l'enregistrement, je vais pas le faire sur le tuto, hein, je vais les faire off, comme on dit. Juste quelques conseils, installez-vous bien, confortablement, une bonne écoute et faites-en plusieurs. Alors, quand je dis plusieurs, faites pas 50 enregistrements. Pourquoi? Parce que dans les 50, vous ne saurez pas réellement choisir ceux qui sont bien, ceux qui sont moins bien, etc. A contrario, si vous en faites que deux ou trois, eh bien, on va dire, vous allez avoir un choix plutôt restreint. Donc, à mon sens, une dizaine d'enregistrements est tout à fait indiqué. Et ensuite, eh bien, nous pourrons choisir. J'ai mes 10 enregistrements. J'ai pris soin, comme vous pouvez le voir, de renommer ma piste, Git 1. Et de mettre une couleur, j'ai pris jaune, faites-le dès le départ, ça vous évite après de vous retrouver avec 15 pistes et de plus savoir qui est quoi et d'être obligé de réécouter pour renommer, etc. Donc j'ai mes 10 enregistrements, ce qu'il faut faire maintenant c'est les écouter seul avec la piste en solo, donc sans métronome, sans batterie, sans rien, et même je dirais avec la forme d'onde qui va nous permettre eh bien, de voir les imperfections aussi bien au niveau rythmique, donc décalage, grâce au zoom par exemple, et puis au nombre de temps, et puis voir les petits bruits qui dérangent, les fausses notes, etc. Donc si j'écoute ma première prise, ok, là il y a un petit souci, là, petite erreur. Donc, je vais finir ma boucle à la fin de la 12e mesure. Alors, vous voyez que pendant que j'enregistrais, j'ai légèrement continué. On verra pourquoi. Ok, donc, je vais sélectionner ça. Et puis, on se fait recadrer échantillon. Comme ça, on a... Ok, alors celle-ci, c'est dommage parce que je la trouve assez propre, assez sympa. Par contre, j'ai fait des petites erreurs rythmiques. Donc, c'est dommage parce que avec un rythme parfait, là aussi, on pourrait le corriger hein, grâce au warping, justement. Je l'aurais peut-être mise en première position. Donc, pareil, je vais la garder comme ceci. Très bien, je vous passe les dernières qui me restaient. J'ai fait mon choix, on va dire, et je dirais mon pronostic, mon classement. Là, à mon sens, maintenant, il est aussi important de renommer eh bien, ces enregistrements. Voilà, tout est renommé. Je n'oublie pas de désactiver ma piste originale et je la replie comme ceci. Ce qu'il faut faire aussi, si vous ne l'avez pas encore fait depuis le début, c'est faire une sauvegarde. Hein. Donc j'avais déjà sauvegardé, je vais refaire une sauvegarde ici. Nous allons maintenant passer à la guitare 2, où je vais utiliser un autre logiciel, le TH2. Avec un preset qui sera assez adapté à ce que je veux faire rythmiquement, donc vous allez voir avec de la wah-wah. Pour la deuxième guitare, on va suivre exactement les mêmes démarches, si je pouvais dire, au niveau du réglage, de la carte son à refaire, un petit accordage, etc. Alors, dans TH2, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a le in-level, voilà, qui nous permet d'ajuster notre entrée, notre input de notre carte son. Vous voyez, il faut que ça soit plutôt sur good. Je suis juste, hein, je pourrais mettre un petit peu plus fort. Pour cette deuxième guitare, je souhaite qu'elle soit rythmique.
et qu'elle fasse une alternance entre des accords en triade, donc à trois sons, à trois cordes, et les fameuses cocottes. Alors, on va se baser tout simplement pareil hein, sur la grille que l'on a établie en La blues avec La7, Ré7 et Mi7. Pour le La7, je vais utiliser un renversement. Vous voyez, c'est complémentaire, à la fois différent, on va bien pouvoir dissocier les deux. Je vais faire le travail d'enregistrement. Le conseil que je peux vous donner, c'est de faire l'enregistrement en désactivant la guitare 1, juste en laissant la batterie et le métronome. Et pareil, on va faire 10 enregistrements, comme ça on pourra choisir les meilleurs. Je vous fournis avec cette première partie du tutoriel les deux tablatures au format Guitar Pro 6, bien de la guitare 1 et de la guitare 2, où vous aurez eh bien, les notes au niveau des accords des deux guitares et aussi au niveau rythmique. Alors sûrement que je reviendrai plus en détail sur les rythmes de ces deux guitares. Ok, alors vous avez vraiment été nombreux à me dire de décortiquer le rythme des deux guitares, parce que c'est ce qui vous posait problème. Donc je ne vais pas revenir sur la technique main gauche des accords et des cocottes qu'on a vues, etc. Mais je vais vous montrer comment bosser le rythme, je dirais correctement, et comment le comprendre. Donc je vous ai fourni la tablature hein, des deux guitares. Alors, on va regarder la deuxième guitare, alors qui par erreur est notée guitare 1, je vois, donc j'ai dû inverser, voyons ça à l'écran, ouais, les deux sont notés guitare 1, mais c'est bien celle-ci avec les accords, dont on avait terminé le tutoriel de la partie 1. Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est passer outre la guitare au début, et comprendre le rythme à l'écriture, et puis le taper dans ses mains, ou le chanter. Donc moi, je préfère le taper dans mes mains. Du coup, l'oreille aussi va s'habituer, si vous voulez, à entendre ce que vous allez taper, et puis après jouer. Et puis en plus, je dirais que votre œil va transcrire ce qui est écrit rythmiquement. En solfège, hein, je vous rappelle qu'on ne peut pas faire autrement que de passer par le solfège pour le rythme. Et donc votre œil va faire le parallèle entre ce qu'il y a écrit et ce qui en découle, je dirais, rythmiquement à votre oreille. Donc la première figure, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une croche pointée et une double croche. Donc généralement, dans un rythme, quand on a des doubles croches, eh bien, c'est, on va dire, on va prendre la plus petite valeur rythmique du morceau. Donc là, c'est la double croche. Donc je vous rappelle qu'une double croche. Donc vous voyez, une fois qu'on a bien bossé ça, alors ça prend pas une semaine, hein, ça prend du temps, mais après, eh bien, on est vraiment beaucoup plus à l'aise, surtout dans le funk. Alors la deuxième mesure, hein, c'est des cocottes tout en double croche. Donc là, le rythme n'est pas difficile, hein, c'est 1 et 2 et 1 et 2 et. Donc là, on va avoir 1 et 2, 1 et 2. Donc après, il y a une demi-pause, hein, c'est-à-dire que le troisième et le quatrième temps, on ne les joue pas, c'est-à-dire. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Et 4 et.
Ok, donc les deux mesures enchaînées, eh bien avec les accords qui vont bien, bien sûr. Et 4 et... Et 4 et... Et 4 et... Trois et quatre et... Alors, il y a juste cette mesure qui est différente rythmiquement, mais que je vais vous expliquer pour la première guitare. Enfin, on a aussi bien pour la première guitare que pour la deuxième le même rythme de la dernière mesure. Et là, pareil, explication. Donc, double croche, je joue la première, suivi d'une croche. Donc, je joue la deuxième, je laisse sonner la troisième, je joue la quatrième. Ensuite, on a une liaison à une double croche. Donc, je ne joue pas la première, puis une croche, je joue la deuxième, je laisse sonner la troisième, je joue la quatrième. Et puis après, deux noirs, trois et quatre. Et donc ça va faire ta 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 ta. Comme pour la guitare une, je vous conseille eh bien de travailler temps par temps et de visualiser bien le rythme et de le taper dans vos mains ou de le chanter et ensuite, seulement ensuite, de le travailler à la guitare. Toujours d'abord à un tempo lent, faites marcher votre oreille lentement, puis un tempo médium et puis un tempo rapide. J'aimerais maintenant vous parler d'une technique qui est vraiment très très utilisée dans les studios pro et donc que l'on peut utiliser dans nos home studios, c'est le comping. Alors, dans la partie 1 du tutoriel, on avait, voyez, choisi les prises et puis on les avait classées de la meilleure à la moins bonne. Le comping, si vous voulez, c'est un peu semblable, sauf que plutôt que de choisir la meilleure prise et puis jusqu'à la moins bonne, on va choisir des parties de la prise. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, par exemple, je peux prendre la première mesure de cette prise-là, puis la deuxième mesure de cette prise-là, puis la troisième mesure de cette prise-là, ou la troisième mesure de cette prise-là, puis la quatrième de cette prise-là, puis la première de cette prise-là. Alors, il est vrai que dans Live 9, c'est pas l'idéal. On n'a pas vraiment une fonction de comping. Donc, il va falloir, vous allez voir, faire une manipulation un petit peu différente. Par contre, dans Studio One 3, dans Cubase Pro 8.5 et même dans Reason 8, c'est très facile. On a ce qu'on appelle des couches ou des lanes qui nous permettent, si vous voulez, d'effectuer un enregistrement sur la même piste, mais avec différentes couches, différentes lanes, et après de sélectionner eh bien, une portion de la prise 1, une autre portion de la prise 2, une autre portion de la prise 3, etc. Donc dans Live, voilà ce qu'on va faire. Donc j'ai 10 prises, hein. Eh bien, ce que je vais faire Command D et je vais dupliquer 10 fois. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai 10 pistes qui sont exactement les mêmes. Donc là ensuite, il va falloir... Ok, donc il y a une petite erreur ici, mais c'était pour vous montrer la technique, et ça c'est vraiment très souvent employé, notamment pour les voix. Hein. Les chanteurs vont faire 30 prises, et puis on va sélectionner phrase par phrase ou mot par mot. Alors, il faut faire quand même attention, cette technique a des inconvénients, si vous voulez, eh bien, c'est de bien faire attention que, si vous voulez, l'enchaînement entre les différentes découpes des différentes prises fonctionne entre elles. C'est ça qui va être déterminant. Si vous voulez, dans l'idéal, il ne faut pas que ça s'entende. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir avec précision les différentes mesures des différentes prises, etc. Mais c'est ça le comping, et vraiment,
si vous voulez quelque chose de rendu pro, c'est vraiment une technique qui est souvent utilisée. Alors, le deuxième, je dirais, inconvénient, effectivement, c'est que ça peut enlever un peu le côté groove du morceau, bien, parce que le musicien a fait ses prises entièrement, et il va pas avoir à chaque fois qu'il refait une prise sur les 12 mesures la même sensation, le même groove, le même phrasé, le même jeu. Donc c'est vrai que ça a des inconvénients. Après, à vous de peser le pour et le contre. Si vous avez un très bon musicien, eh bien, à la limite, il n'y a pas forcément besoin de faire du comping comme ceci, mais plutôt de choisir, allez, la meilleure prise qu'il a faite des 10. Si par contre, vous voyez, il n'y a que la première mesure de la première prise qui est bonne, et puis que la deuxième mesure par contre n'est pas bonne, mais que la deuxième mesure de la quatrième prise est bonne, etc. Là, vous pouvez utiliser cette technique. Ok, alors pour terminer ce tuto, je voudrais vous montrer une technique. Si vous n'êtes pas guitariste, mais que vous voulez des guitares dans vos productions, et si vous n'avez pas de pote guitariste, donc vous n'avez pas le choix que de passer par soit des boucles toutes faites, mais bon, je dirais, vous voulez un jeu particulier, des notes particulières, donc c'est pas forcément envisageable ici. Donc on va utiliser des instruments virtuels, simulant des guitares. Alors, je ne suis pas très très calé là-dessus. Pourquoi ? Parce que comme je suis guitariste, il est vrai que personnellement, je ne vais pas utiliser un instrument virtuel de guitare pour mes guitares, je vais les jouer moi-même. Mais je vais vous en quand même proposer deux et vous montrer une technique. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une piste MIDI. Et alors, le premier, qui est, je dirais, un standard, hein, pas que pour les guitares, pour tout, c'est bien entendu chez Native Instruments, Contact 5. Alors, il existe des éditeurs tierces de librairies que je vous conseille de consulter, hein, que vous trouvez sur Google pour les guitares. Moi, je vais partir de la librairie d'usine fournie donc avec Contact. Vous allez dans Band, ici. Vous avez un dossier guitare. Et vous avez différents types de guitares. Alors tout de suite, ce que l'on pourrait prendre, c'est funk guitare. Sauf que moi, je l'ai testé et je trouve que on va avoir plus intérêt à utiliser jazz guitare. Voici donc. Et à partir de là, on peut faire quelques réglages. Alors je vais juste, voilà, depuis un clavier maître MIDI. Hein. Alors, solo, on laisse sur off. Qu'est-ce que j'ai comme réglage ? Eh bien, en tone, oui, on va pouvoir régler le timbre, le noise, que je vais réduire, et changer le pick-up, les micros. Donc, je vais le charger. Et là, pareil, c'est un instrument virtuel de guitare qui émule, si vous voulez, les guitares Stratocaster. Donc qui sera peut-être plus réaliste à condition de mettre les mains, on va dire, dans le cambouis. Et moi, je vous avoue que je connais pas bien ce logiciel. Encore une fois, comme je suis guitariste, j'ai pas tendance, peut-être à tort, parce que pour vous expliquer, ça aurait été pas mal. Mais si je me penche dessus un jour, je ferai un tuto sur ce logiciel qui me paraît vraiment quand même bon. Qui me paraît en dessus de la librairie Contact 5 que je vous ai proposé juste avant. Alors pareil, hein, vous pouvez adjoindre l'effet guitar rig à la suite. Voilà. Voyons voir si je copie le clip MIDI. Vous voyez, on peut arriver à quelque chose de sympa. Encore une fois, écoutez en solo. On se dit, bon, ça sonne quand même un peu plastique, comme on dit. Dans un mix, avec en affinant les réglages du Real Strat, je vous garantis que ça peut passer. Hein. Thank you.
Vous voyez, pour la guitare 2, avec la wah-wah, ça peut être intéressant. Ok, dans la prochaine partie du tutoriel, je vous proposerai de travailler la basse.